I wishing that I were. Maybe, 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 maybe. War. War never changes. Bien, nouvel épisode de votre nouvelle série préférée où je détruis des anti-Bitcoin. Alors bien sûr, je vous conseille d'aller d'abord écouter la première vidéo qui concerne Philippe Brassac du Crédit Agricole et dans laquelle j'explique ma démarche. Sans transition, ma victime du jour s'appelle Christian Pfister. Alors je suis désolé, je sais que j'écorge votre nom et ça me fait pas rire du tout, mais j'ai aucune idée comment ça se prononce. Mais nous allons l'appeler Christian et retenir surtout qu'il est à la direction générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France. Formidable. Il est aussi étiqueté Paris 1, Sorbonne et Sciences Po, sans plus d'informations sur son titre, son grade, est-il professeur, est-il chargé de TD, on sait pas. 2 dollars, tu les veux, formidable. Alors quand on va voir son CV, en tout cas celui qui est disponible sur internet, on apprend qu'il est en charge de cours de crypto-monnaie. Alors je me demande bien qu'elle gueule ça, a, un cours de crypto-monnaie, et surtout les siens en fait. En tout cas, le monsieur a bien senti le filon parce que depuis deux mois, il est aussi un auto-entrepreneur, consultant senior en monnaie numérique. Ah, formidable, 49. Formidable. Donc après avoir bitché sur le truc pendant des années, euh, il a fini par vouloir profiter du ponzi. Alors je suis désolé, l'article date un peu, il est sorti il y a un an. Je suis un sur cette chaîne, je vais essayer de ne traiter que d'articles récents, mais euh, celui-ci est vraiment très très intéressant et j'avais écrit à ce sujet euh, au moment de sa publication. Je vais essayer au maximum d'être fair play et de ne pas faire référence à des événements qui se sont déroulés après la publication de l'article. Bien que le travail de ces messieurs, normalement, c'est l'anticipation. Euh, donc je pourrais... Merci, écoute. Alors un petit point de détail, euh, j'ignore si ce monsieur est réellement fonctionnaire, je ne pense pas en réalité. Euh, fonctionnaire, c'est un statut, quand on est fonctionnaire, on le sait. Et la Banque de France, c'est une maison assez particulière. Alors c'est vraiment une question intéressante, mais pas aujourd'hui, pas pour nous, mais cette institution est réellement à cheval entre le privé et le public. Cependant, le travail et les productions de Christian me semblent tellement révélateurs d'un espèce d'esprit fonctionnarial, bien à la française, bien caricaturalement à côté de la plaque, qu'on va partir sur l'angle du fonctionnaire, comprenez par là l'intellectuel d'État, comprenez par là le technocrate. Alors on va attaquer cette note qui était publiée au bulletin de la Banque de France juillet-août 2020. Et comme toujours, c'est vraiment récurrent dans les articles dont je traite ici, dès le titre, c'est la catastrophe. Monnaie digitale, du mythe aux projets innovants. Alors, Monsieur le Professeur en crypto-monnaie, vous apprendrez qu'en bon français, monnaie digitale, ça n'existe pas. J'ai rien compris. L'adjectif digital, ça se réfère au doigt. On va parler d'empreinte digitale. La confusion vient du mot anglais digital, qui a une traduction française. Figurez-vous que c'est numérique. Votre sujet, donc, mon cher Christian, ce sont les monnaies numériques, et non digitales. La finger money est un concept encore à inventer. Alors vous pouvez dire que je chipote, que c'est un détail. Mais quoi qu'on pense des anglicismes, celui-ci est vraiment abusif. D'abord parce qu'il vient remplacer un mot, le mot numérique, qui existe en français, tout en portant la confusion sur un autre mot qui existe tout autant en français, qui est le mot digital. Et puis si vous n'êtes pas content, vous allez vous plaindre à l'Académie Française. I don't make the rules. Ensuite, j'ai la faiblesse de penser que quand on est payé par une institution fondée par Napoléon Bonaparte, c'est le genre de détail révélateur auquel on prête attention. Ensuite, le titre est mensonger parce qu'on nous parle du mythe euh, bah, des crypto-monnaies, on comprend que c'est Bitcoin, mais de mythe, il ne sera jamais question. Et puis, alors, les projets innovants, euh, tenez-vous bien. Hein. Allez, c'est parti, je vous lis le chapeau. À partir de 2009, des actifs Digitoberk, émis de manière décentralisée, susceptibles, selon leurs promoteurs, de se substituer aux monnaies légales, ont été proposés au public. Plus de dix ans après, ce projet ne s'est pas réalisé. Alors là, il va y avoir un des principaux problèmes de, ce, de, de cet article, c'est le, euh, le souci de la temporalité. Euh, Christian est mais complètement à la ramasse euh, quand il s'agit d'estimer la temporalité nécessaire à établir ce genre de projet. Il faut vraiment relier avec la phrase d'avant pour se rendre compte du ridicule de la position de, de Christian. Comme si dix ans auraient suffi aux crypto-monnaies pour se substituer aux monnaies légales. Comme si n'importe qui de sérieux en 2009... Pensez qu'en 2019, il n'y aurait plus ni dollars ni euros, mais plus que des BTC et des Satoshi. La question de la temporalité, c'est vraiment un des pires FUD, une, une des pires approches critiques qu'on peut porter à Bitcoin. Une monnaie, c'est de la confiance, et la confiance, elle se bâtit dans le temps. Il fallait que ce protocole euh, fasse ses preuves, tout comme il est nécessaire qu'il évolue lentement. Je le dis souvent, mais on ne parle pas du kebab du coin, là, on parle de monter une monnaie. Et alors souvent, ceux qui tiennent ce genre de discours, ils se croient malins en invoquant Internet, en disant ⁇ Oui mais regardez, en disant Internet, comme, comme ça s'est développé et que, et, et que Bitcoin est resté anecdotique ⁇ Bon alors d'abord, si on met en parallèle la progression du réseau Internet et celle du réseau Bitcoin, Bitcoin n'a pas à rougir, bien au contraire. Et ensuite, à ce que je sache, Internet n'a pas dû se battre comme ça contre un flot continu de FUD euh, qui venait des institutions, qui venait des institutions d'État, mais aussi des institutions privées, c'est-à-dire des, des, des acteurs installés du milieu. Quoique quoique, nous reviendrons sur ce point. D'émergence plus récente, les stablecoins tentent de se rapprocher des monnaies légales et visent à remédier aux insuffisances des premiers crypto actifs. Cryptoactif, mais le chacal Eh bien, puisque vous me déclarez la guerre, je me ferai guerrier sémantique. On vous a si longtemps abandonné le pouvoir de nommer les choses que vous ne faites plus aucun effort pour en abuser. C'est vraiment pas de chance. Soit vous arrivez trop tard, soit j'arrive à point, mais ne voyez-vous pas que les choses sont différentes aujourd'hui Qu'il ne suffit plus de déclarer avec autorité ce qui est et ce qui n'est pas pour qu'un million de langues serviles vous suivent Ceci tuera cela. Souffrez que nous n'utilisions pas votre vocabulaire, que nous ayons l'effronterie de voir ce que nous voyons et que nous utilisions les mots qui nous semblent convenir le mieux. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Bitcoin n'est pas un cryptoactif, Bitcoin est une monnaie. Vous noterez qu'on se fout pas de votre gueule parce que Christian, il a mis des beaux tableaux avec des belles infographies pour accompagner son propos. Et c'est dommage qu'elle transpire à ce point à la mauvaise foi. Alors, on y apprend qu'il y a plus de 5700 cryptoactifs recensés en juillet 2020. Alors là, pour nous faire passer pour des cons, il n'y a pas mieux, hein, parce qu'un profane qui voit ça, il se dit, putain, mais il y a, a 5700 euh, Bincoins différents. C'est quoi, quoi cette histoire ça, c'est clairement juste foutre de la donnée brute sans aucune mise en contexte, sans aucune explication, euh, juste pour pouvoir euh, argumenter à coup de marteau. Quoi. Parce que bien évidemment, qu'il aurait fallu faire le tri. Qu'est-ce que euh, dans ces 5700, il doit y avoir euh, BitConnect, par exemple, qui est une shitcoin complètement morte, qui est un, un Ponzi qui s'est effondré et dont on ne garde même plus le jeton mais bon, comme il est écrit un peu plus haut, les idées exposées dans ce document reflètent l'opinion personnelle de leur auteur et n'expriment pas nécessairement la position de la Banque de France. Ce qui en dit long sur la confiance que la BDF accorde à ses intervenants. Alors, au demeurant, pour connaître un petit peu la BDF et les conneries qu'ils sont capables de nous sortir, leur position est en raccord total avec celle de Christian. C'est les mecs qui sont en mode turbo-tulipe, quoi. Les cryptoactifs, parfois nommés à tort crypto-monnaie ou monnaie virtuelle, désignent le Bitcoin et d'autres jetons virtuels utilisés pour spéculer et pour réaliser certains achats. N'y touchez pas. Touche pas. Allez, on rentre dans le cœur du texte. Alors évidemment, je ne vais pas tout lire, je vais sélectionner les paragraphes, Gardez ce qui, en mon sens, est le plus absurde, c'est-à-dire le plus intéressant. Formidable. Les premiers cryptoactifs à la poursuite d'un mythe. On se sentirait presque Indiana Jones. Là. Et alors le sous-titre magique Bitcoin, une pseudo-monnaie. L'intention est donc claire. Le but de Cricri, c'est de démontrer que Bitcoin n'est pas une monnaie, que c'est une pseudo-monnaie. Le concept de pseudo-monnaie restant encore à définir, mais ne te mentons pas trop. pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter. Pour... Ainsi peut-on lire À quoi servent Bitcoin et les autres cryptoactifs de première génération Leur usage répond essentiellement à trois types de motivations. Et le mec s'autocite ensuite. Moi aussi je m'autocite souvent. J'adore ça. C'est un, un peu cochon. Petit 1. Déplacement spéculatif. Et c'est tout. C'est tout. Juste ça. Juste déplacement spéculatif. Alors, euh, on, on a vu dans la première vidéo, enfin au premier épisode de ma série, que, euh, que la guerre sémantique concerne euh, le terme de spéculation, le concept de spéculation. Donc je vous renvoie à cette première vidéo pour, pour mieux comprendre. Mais on peut très bien dire que l'épargne ou la thésaurisation, c'est aussi un acte de spéculation. L'enjeu étant celui de la frontière impossible à délimiter entre l'investissement et la spéculation. Petit 2. Des opérations de règlement sous pseudonyme, certes de nature à mieux protéger la vie privée, mais finançant aussi plus facilement des transactions illicites. On a ainsi pu estimer qu'environ un quart du volume des transactions en Bitcoin et près de la moitié de leur montant seraient associés à des activités illégales. Et ça me rend très triste Mais le quart du volume, ça je prends. Parce que d'abord, si Bitcoin est à un quart criminel, ça veut dire qu'il est quand même aux trois quarts légitime. Et encore, je ne devrais pas utiliser le terme légitime, je devrais plutôt utiliser le terme régulier peut-être. Mais même si on inversait cette proportion, même si les trois quarts des échanges en Bitcoin étaient des échanges criminels, eh bien ça prouverait quoi Ça prouverait que c'est une monnaie, c'est même une super monnaie. Les anti-Bitcoin, ils ont comme ça une manière fascinante de voir les criminels. Genre, les criminels, ils sont tellement criminels qu'ils utilisent des monnaies qui sont même pas des monnaies, tu vois. Mais bon, ça, ça fera vraiment l'objet d'une vidéo à part entière très bientôt, bah, alors je l'attise maintenant. Mais on va passer ce point et continuer. Petit 3, des envois de fonds vers l'étranger. Cependant, les utilisateurs doivent faire face à des frais patati patata. Alors, comme il dit, il y a des frais difficiles à évaluer ex ante. Quand on se met à parler latin comme ça, c'est vraiment que ce sont des, des, des grosses difficultés. Mais moi, ce que je retiens, ce n'est pas les difficultés techniques qui peuvent se régler. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des gens qui envoient des fonds à l'étranger, malgré ces difficultés. Et que s'ils le font avec Bitcoin, c'est pas nécessairement parce que c'est des gros cons. Paragraphe suivant, on rentre dans le dur, on rentre dans le noyau de l'article et le noyau de ma vidéo. Dans l'ensemble, Bitcoin ne remplit pas, ou très imparfaitement, les trois fonctions dévolues à la monnaie. Ce n'est ni une unité de compte, ni un instrument de transaction, ni une réserve de valeur. Dis voilà, Christian. Dis Alors BTC, monnaie ou pas monnaie alors d'abord, on peut se référer à la définition qu'en donnait son créateur, à la définition qui nous est donnée par Satoshi Nakamoto dans le White Paper de Bitcoin. On peut y lire que c'est un peer-to-peer -peer electronic cash system, ou dans la langue de McFly et Carlito, un système de cash électronique en pair à pair. C'est pas français, cash, faut dire euh, liquide, non Un système de liquide Je sais pas. Alors ça nous avance pas tant que ça, mais ce qui est sûr et certain, et c'est ce qui les fait rager, hein, c'est que c'est pas une monnaie légale. C'est-à-dire que ce n'est pas frappé par un État, c'est pas frappé par, par une banque centrale, c'est pas frappé par l'Union européenne. C'est peer-to-peer, tu vois. Alors à ce stade, si vous le voulez bien, on va devoir passer par Aristote, parce que c'est de lui dont il est question. Je peux pas vraiment faire l'économie d'une partie théorique, mais je mets à l'écran le time code pour la passer pour ceux qui sont vraiment allergiques à la philosophie, par exemple. Donc, ces trois fonctions de la monnaie auxquelles fait référence Christian, c'est-à-dire l'unité de compte, l'instrument de transaction et la réserve de valeur, c'est ce que j'appelle les trois nu-eux d'Aristote. Trois fonctions et trois caractéristiques qui sont censées définir la monnaie. Aristote, je ne vais pas le présenter, hein, si vous voulez en apprendre plus, il y a des tas de vidéos d'y penser sur ce sujet. Mais pour des raisons que je développerai plus tard, il est important de plonger tout de suite dans son texte. Et ce texte, ça va être surtout le livre 5 de L'éthique à Nicomac. Nikomuk. où la monnaie est évoquée euh, par le biais d'une dissertation concernant la justice. <laughs> <Nikomuk. rire> Qu'est-ce que ça nous dit alors Eh bien, ça nous dit que la monnaie est un dispositif conventionnel qui assure trois fonctions. La première de ces fonctions, c'est d'exprimer la commensurabilité des objets d'échange, c'est-à-dire les placer sur une même échelle de valeur, ou plutôt les placer sur l'échelle de la valeur. Cette première fonction, nous l'appelons la fonction d'unité de compte. Ensuite, dans un second temps, et en se référant à cette échelle de valeur, on va se servir de cet instrument pour réaliser des échanges de juste mesure. Aristote nous dit que ces échanges sont des échanges en diagonale. Il donne lui-même cet exemple un cordonnier et un architecte vont échanger via l'argent la valeur de chaussures, au pluriel, contre celle d'une maison. Donc pour Aristote, l'argent, c'est la matérialisation des besoins et c'est aussi un lien pour la société. Parce que l'architecte, il a besoin de chaussures, et le cordonnier, il a besoin d'un toit. Donc, il faut bien qu'ils se retrouvent quelque part. La deuxième fonction qu'on vient d'exposer, c'est donc celle de moyen d'échange. Et ces échanges, s'ils sont efficaces, c'est-à-dire s'ils permettent à l'architecte de se chausser et au cordonnier de se loger, ils vont au bout d'un moment créer un marché. Et ce marché, il va avoir deux caractéristiques il va être stable, mais il va aussi, et surtout, être juste. Cette justice, elle va être pérennisée, elle va être conservée, elle va être garantie dans le temps par la fonction de réserve de valeur. Qui est dévolu à la monnaie et qui est donc la troisième fonction aristotélicienne de la monnaie. Alors attention, cette, cette notion de réserve de valeur pour Aristote elle est très relative. Hein. Pour lui, la monnaie c'est une marchandise comme une autre, seulement elle est plus stable que les autres. Et alors déjà on remarque un truc. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, j'espère en tout cas que j'ai réussi à, à l'exposer de cette manière, mais on a ici une conception très pratique de la monnaie. Tout ce que je viens de faire, tout ce que je viens d'énumérer. Ce sont des remarques empiriques, ce sont des raisonnements très empiriques. L'architecte, le cordonnier, gardez ça dans un coin de votre crâne, je vous prie. Donc la position de Christian, c'est que Bitcoin ne remplit pas euh, ces trois fonctions. Eh bien, on va s'y pencher de plus près. Alors, commençons par nous demander si Bitcoin est un instrument de transaction. Il paraît que très peu d'achats de biens et de services sont réglés en Bitcoin. Alors un instrument de transaction, j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est quelque chose qui permet de transporter de la valeur dans l'espace. C'est quelque chose qui va permettre de faire bouger la valeur entre différentes mains, par exemple. Bah, on va être bête et con, hein. on va se demander, est-ce que je peux régler des achats en BTC Oui. Alors va se poser la question de l'acceptation euh, du paiement en BTC. De toute évidence, et même avant que cet article de merde ait été écrit, l'acceptation de Bitcoin était en progression. Il est possible de payer en BTC dans de plus en plus d'endroits. Aujourd'hui on invoquerait Tesla ou Le Salvador. Est-ce que BTC peut me permettre de payer une dette Oui. Est-ce que je peux en offrir pour qu'il soit ensuite aisément dépensé Bah oui. Est-il utilisé dans les échanges commerciaux bah, Christian nous donne la réponse un peu plus haut, oui. Euh, il nous dit que euh, un quart du volume des transactions en Bitcoin euh, sont associées à des activités illégales. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, ma bonne dame, les activités illégales ce sont des activités commerciales. Et là, on va commencer à adopter une conception qui serait plus proche de celle d'Oresme de la monnaie. C'est-à-dire que pour Oresme, la monnaie, elle appartient à ceux qui l'utilisent. Ce sont les marchands qui lui donnent son statut. Et alors, je spoil un petit peu la fin de ma vidéo, mais c'est une conception aristotélicienne de la monnaie qui est celle d'Oresme. À la question de savoir si Bitcoin est un instrument de transaction, on peut très bien répondre par l'absurde. Est-ce que je dois rendre tout ce que j'ai acheté en BTC parce que je l'ai fait, hein, je l'ai fait une paire de fois. Est-ce que je dois aller retrouver euh, celui qui a mes BTC Et je lui dis, maintenant écoute, je suis désolé, mais, euh, mais là, euh, Aristote, il va me retrouver, il va me niquer les genoux, euh, donc euh, non, on annule. D'autant plus que beaucoup de ces achats que j'ai fait en BTC, je ne les aurais jamais conclus euh, autrement, par un autre moyen d'action, par un autre moyen de paiement. Et qui nous disait un peu plus tôt que l'échange naissait du besoin et que ce besoin était matérialisé par la monnaie, c'était pas un certain Aristote en fait, faut être un sacré faux cul pour dire que BTC c'est pas un instrument de transaction. C'est même à ce point un instrument de transaction qu'il a fait naître toute une économie. Nous sommes en fait très directement dans le cadre qui était décrit par Aristote dans l'éthique Nicomaque. Alors deuxième question, euh, qu'en est-il de la conservation de la valeur dans le temps? Pour Christian, l'affaire est réglée. Bitcoin est condamné du fait de sa trop haute volatilité dans son cours d'échange contre des monnaies légales. Alors encore une fois, le problème, c'est celui de l'échelle du temps. Là, c'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Se poser la question de la conservation de la valeur, c'est se demander comment est-ce qu'on conserve la valeur. Et alors je vais utiliser une comparaison qui est très à la mode dans mon milieu. Comment l'or garde-t-il sa valeur En pétant. Au-delà des conventions, au-delà de son, de son utilisation, de son usage à des fins industrielles, de sa valeur d'usage, euh, au-delà de son esthétique, ce qui fait que l'or garde sa valeur, ce sont ses propriétés physiques. Il n'est susceptible ni d'évaporation, ni de pourrissement, ni d'oxydation, et en plus, il est rare. À l'inverse, comment est-ce qu'un billet de banque conserve sa valeur? Eh bien, uniquement, et surtout à notre époque, par des phénomènes de confiance. Et je vais citer Voltaire parce que ça fait toujours plaisir. La monnaie papier finit toujours par retourner à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Or, il y a un autre truc euh, qui n'est susceptible ni d'évaporation, ni de pourrissement, euh, ni d'oxydation, ni même de dilution. Et en plus, ce qui est rare, bah, c'est le BTC, en fait. BTC est une réserve de valeur en lui-même. Il est codé comme ça. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. BTC porte sa propre loi dans son code. On dit qu'il est nomothétique. Et sa loi fondamentale, c'est celle de la conservation de sa valeur. Alors, bien évidemment, Christian pointe autre chose, c'est-à-dire qu'il pointe la valeur de Bitcoin en dollars. Mais d'abord, Bitcoin se fout de son prix en dollars. Ça ne fait pas partie de son code. Hein. Et donc, on aura beau jeu de, de pointer les, les variations intraday de sa valeur en dollars pour pouvoir le condamner. Mais là encore, c'est une question d'échelle de temps. Sur un an, sur cinq ans, sur dix ans, avec le même Bitcoin, J'achète combien de mètres carrés parisiens en plus J'achète combien d'onces d'or en plus J'achète combien de jambon-beurre en plus Elle n'est pas conservée, là, ma valeur Posez-vous la question. Si vous aviez le choix, aujourd'hui, entre un bitcoin et 40 mille dollars, qui vous reviendraient à la condition que vous ne les dépensiez pas avant 15 ou 20 ans, vous choisiriez quoi Présenter les choses comme ça, c'est présenter les choses comme un pari. Mais nous avons vu, au premier épisode, que euh, ce n'est pas sale de parier. Dernier point, dernière fonction, c'est celle d'unité de compte. Et encore une fois, il faut être un sacré focus pour dire que Bitcoin, que le BTC n'est pas une unité de compte. Et pourtant, Christian, qui ose tout, vient nous dire qu'il ne sert pas, ou très peu, à libeller le prix de biens ou de services, en particulier pas ceux du travail ou du capital. Bah oui, mais tu passes à côté de l'essentiel là, mon cochon. D'abord, je le répète parce que j'aime bien ce mot, Bitcoin est nomothétique, il porte sa loi dans son code, et il se trouve qu'il est codé euh, comme une unité de compte. On ne peut pas faire mieux, hein, là, euh, techniquement. C'est-à-dire qu'il possède une unité de compte spécifique, c'est-à-dire un BTC avec un B minuscule, là où BTC avec un B majuscule va plutôt renvoyer à l'ensemble du protocole. Donc quand tu vas dire tu me dois deux BTC, il faut l'écrire avec un B minuscule. Et alors ce BTC minuscule, il est défini de manière très précise par le protocole. C'est la division à 1, 21 millionième de l'ensemble de sa masse. Il est lui-même euh, divisible au 100 millionième, c'est-à-dire pour jusqu'à un Satoshi et c'est même possible d'aller plus loin le protocole peut être mis à jour sur ce point mais je ne suis pas idiot je sais bien que christian par là nous réclame un étalon de la valeur parce que si ça te chante tu peux très bien tenir tes comptes en capsule comme dans tom tom et nana et force est de constater que le double affichage euro bitcoin n'est pas la norme même dans les magasins spécialisés le double affichage en or non plus mais il peut l'être et il l'a été d'ailleurs L'exemple le plus frappant, c'était celui de l'ICO d'Ethereum en 2014. On, on obtenait 2000 Ethereum en échange d'un Bitcoin, sans référence au dollar. Hein, pas, euh, on n'achetait pas ces Ethereum en dollars, on les achetait en Bitcoin. Ça a permis de lever 31 000 BTC, ce qui à l'époque était quand même la somme rondelette de 18 millions de dollars. Et ça a permis une levée de fonds décentralisée et dérégulée dans un espace très particulier qui est, les, qui est le cyberespace où Bitcoin est considéré comme une unité de compte tout à fait valable. Ensuite, le BTC ou l'Ethereum, c'est un étalon de valeur très très important dans son propre écosystème. Sur Uniswap par exemple, qui est un exchange décentralisé très important, on s'échange beaucoup de shitcoin en valeur d'Ethereum ou en valeur de BTC. Et les traders qui aiment partir sur ces sous-monnaies font leurs analyses techniques, c'est-à-dire travaillent les courbes euh, non pas en dollars, mais en satoshi, mais en Ethereum. Enfin, ceux qui veulent faire de l'argent. Ces temps-ci, c'est la mode des NFT. Et euh, on remarque que, malgré une certaine volatilité au niveau de l'Ethereum, euh, volatilité en termes de valeur légale, j'entends, on, on remarque que les prix des NFT, eux, restent plutôt stables en Ethereum. En fait, ce que je veux dire, c'est que Ethereum et Bitcoin, ceux qui l'utilisent, ils en font une unité de compte. Par, par la force des choses, les marchands se sont appropriés cette monnaie. Oresme. Et encore une fois, on va retrouver ce qui fait défaut à Christian, c'est cette question des échelles de temps, c'est la question de la temporalité. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un chiffre, à chaque fois que quelqu'un donne le prix d'une chose ou d'un bien qui a été échangé, on va dire avant les années 2000, il va donner son prix en valeur légale, mais s'il veut être pris au sérieux, il va être obligé de rajouter. Ramener à l'inflation, ça fait tant, 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 tant. Parce qu'un euro de 2020, ça fait pas 6 francs 65. Alors que nous l'avons vu, BTC change de prix par rapport au shitcoin légal, hein, comme euh, l'USD ou l'euro, mais jamais, au grand jamais, en BTC. Donc de ce point de vue, et nonobstant sa valeur, c'est une unité de compte bien plus sérieuse que n'importe quelle monnaie légale. Du point de vue de sa structure, BTC sera toujours égal à lui-même dans sa potentialité. Un BTC égale un BTC. Et c'est une loi immuable. Alors verdict, Bitcoin au sens d'Aristote, c'est une monnaie ou c'est pas une monnaie Et Bien en fait, alors je, je me suis beaucoup amusé à faire ce que je viens de faire, mais j'aurais pas dû le faire parce que c'est trivial de raisonner ainsi. Je veux dire, les trois nœuds d'Aristote, combien de fois vous êtes tombé dessus Très souvent de la bouche de, de la clique à Christian, hein, du, du euh, la Banque de France, la BCE, Christine Lagarde, la Ligue de la Tulipe, moi je les appelle, ceux qui m'ont déclaré la guerre là, combien de fois parce que l'énumération bébête comme ça des trois fonctions aristotéliciennes, euh, sans aller plus loin, sans les expliciter en mode ta gueule c'est Aristote, et se poursuivant par la docte conclusion que Bitcoin n'est pas une monnaie, eh bien ça a une conséquence, et ça a même une très fâcheuse conséquence. C'est que ça nous induit en erreur, non pas seulement sur la nature de Bitcoin, mais aussi sur l'utilisation qui doit être faite d'Aristote. En fait, en agissant ainsi, ils font et ils nous font faire une grave confusion qui est mais niveau première année euh, de fac de philo. Et cette confusion, ça va être d'adopter une approche euh, platonicienne d'un concept aristotélicien. Alors, pour ceux qui, comme moi, avaient euh, l'habitude de sécher la filée au lycée, euh, c'est quoi la différence entre Platon et Aristote Alors, pour faire simple, hein, on va dire que Platon, ça va être le philosophe euh, de l'essence, des idées, euh, du divin. Là où Aristote euh, sera celui de l'expérience, de l'observation, de l'empirisme, par extension, on peut dire de la science. Et donc, de ce point de vue, je suis désolé, mais l'éthique à Nicomac, ça ne définit pas la monnaie. Ça fait quelque chose de beaucoup mieux. Ça décrit le phénomène monétaire tel qu'il a été observé au sein de la société athénienne du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors bien sûr, il va en tirer de, de précieuses abstractions, mais le, le but, le, le texte d'Aristote n'a pas, pas prétention, n'a pas vocation première à définir la monnaie, mais à réfléchir sur elle dans le cadre, je le rappelle, d'une dissertation sur la justice, c'est-à-dire que la monnaie n'est pas le thème principal du chapitre dans lequel on parle de la monnaie. Et c'est très différent, et c'est pour ça que je voulais qu'on lise du Aristote au début, et c'est pour ça que je veux que vous alliez le lire, après avoir mis un pouce bleu à cette vidéo. C'est quatre pages à tout péter, hein, et c'est très facile à lire, justement parce que c'est aristotélicien, justement parce que c'est tourné vers la pratique. Mais Christian, lui, alors, bon, il ne fait que reprendre la doxa de sa classe. Mais, mais Christian, lui, il se croit malin à, à faire le curé de la caisse des dépôts comme ça, à noter que c'est pas exactement comme dans le bouquin, alors j'y touche pas, c'est pas halal. Et donc que vous y touchez pas non plus. Que, que je vous interdis d'appeler ça une monnaie. Même que c'est une pseudo-monnaie. Quoi que ça veuille dire. Eh ben, Christian, il se gourre. Voilà. Je suis désolé. Christian, il nous fait du, du Platon avec de l'Aristote. Christian, comme ça, il, il prépare une choucroute avec de la smoule. Et t'es obligé de gober ça, toi, parce que, parce que ça vient d'en haut. Parce que soi-disant, c'est du grec ancien, parce que euh, c'est de la Banque de France, euh, ces gens-là ont des diplômes, euh, ils portent des cravates. M Monsieur le professeur en crypto-monnaie, là. Alors, les plus faquins d'entre vous, on veut me demander ce que ça change. Mais, mais ça change tout, bordel de merde. Euh, ça permet d'éviter de tomber dans l'écueil, euh, d'aborder les trois fonctions de la monnaie euh, de manière euh, désincarnée. Ça permet, euh, si on veut vraiment adopter le point de vue d'Aristote, de, de considérer la monnaie non pas comme une essence, mais comme un instrument. Un, un instrument malléable aux mains de ses utilisateurs, des, des marchands, des spéculateurs, et, et, et pas aux mains d'une quelconque divinité fiduciaire. Bordel, c'est écrit comme ça dans le texte. C'est écrit que c'est pas naturel, la monnaie. C'est ce qu'on entend quand on dit que c'est une convention, que c'est un dispositif conventionnel. Et ça permet surtout de faire progresser le débat, et de se rendre compte qu'il n'y a plus que les ringards de la Banque de France qui se demandent encore si Bitcoin est une monnaie. À la lumière d'Aristote, on devrait plutôt se demander quel genre de monnaie est-il. En, en fait, il faudrait faire une expérience de pensée. Il faudrait imaginer qu'Aristote revient d'entre les morts. Il revient parmi nous. Voilà, il gruche charron, il traverse le Styx, ce que vous voulez. Et alors, dans sa découverte du monde moderne, bon alors déjà, il va péter la gueule à y penser. hein Et après, quand il a fini, il tombe sur Bitcoin. Bon, alors qu'est-ce qu'il qu qu va nous dire Qu'est-ce qu'il nous dirait sur ça Déjà, il y a fort à parier qu'il qui hurle pas, bah non, bah c'est hey, pas comme dans le bouquin, hein, bah non, non, hein Et qu'au contraire, il remarquerait peut-être, peut-être, que Bitcoin est une monnaie rare, très divisible, décentralisée, euh, accessible, fluide, transparente, programmable, programmée dans sa création. Qu'en somme, Bitcoin, c'est déjà beaucoup de choses que les autres monnaies ne sont pas. Parce que bon courage pour nous faire un euro programmable, hein les cocos. Déjà que ça parle de le faire sur le NEM. Vous vous rendez compte Le NEM Alors, pour répondre à la question, euh, quel genre de monnaie est Bitcoin euh, Ici à FonRadio, Radio, on n'est pas les seuls à penser ça. Hein. On pense que euh, Bitcoin, et attention, je vais parler latin, est une monnaie sui generis, c'est-à-dire une monnaie de son genre, une monnaie unique en son genre. Et, et pour aller un peu plus loin, à cause euh, de ces propriétés que j'ai citées un peu plus un peu avant, euh, que Bitcoin est aussi une métamonnaie, c'est-à-dire que c'est plus qu'une monnaie. Et en tout état de cause, euh, quand une belle âme comme ça, euh, quand un économiste, un prix Nobel, ce que vous voulez, euh, va se mettre à chier sur le bitcoin euh, en invoquant Aristote, en invoquant les, les trois fonctions aristotéliciennes, pour, sans, sans plus d'explication et sans aucune autre forme de procès, en déclarer l'illégitimité, eh bien, de deux choses l'une, soit vous avez affaire à quelqu'un qui est impliqué dans la guerre sémantique, donc quelqu'un qui va utiliser son autorité cognitive pour vous manipuler, soit, et c'est bien pire, euh, c'est un cuistre qui n'a aucune idée de son dont parle euh, et, et qui veut grossièrement invoquer Aristote euh, en pensant que c'est du Platon. Et puisque cuistre je suis aussi, eh bien je vais faire pareil, mais je vais le faire mieux. Parce que si on veut jouer au con et que les règles du jeu, c'est de faire dire à un texte qui ne dit pas, moi aussi, euh, je peux trouver dans l'éthique anicomaque euh, une définition euh, platonicienne, ontologique, essentialiste, tout ce que vous voulez, euh, de la monnaie. Parce qu'en en fait, euh, on vous a menti, il n'y a pas trois fonctions de la monnaie, c'est pas vrai, il y en a une seule. Et les trois qu'on cite en fait, ce sont, des, ce sont des corollaires, ce sont des conséquences de la première. Cette fonction fondamentale de la monnaie, c'est la matérialisation des besoins d'échange au sein de la société. C'est ce qui les permet. Alors, je vais vous citer le texte. Hein. Il est donc indispensable que tous les biens soient mesurés au moyen d'un unique étalon. Et cet étalon n'est autre, en réalité, que le besoin, qui est le lien universel. Car si les hommes n'avaient besoin de rien ou si leurs besoins n'étaient pas pareils, il n'y aurait plus d'échange ou les échanges seraient différents. Mais la monnaie est devenue une sorte de substitut du besoin, et cela par convention. Voilà ce qui définit la monnaie dans la pureté de son essence. Voilà la définition fonctionnelle de la monnaie. Par contre là, on va se demander euh, en, entre les besoins de la société athénienne du 4 siècle avant Jésus-Christ et celui du, au hasard, hein, euh, le cyberespace du début du XXIe, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a, a peut-être une différence? Même, même minime, hein, même, 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 même des détails, même à la marge, je prends. Et donc, ces besoins différents ne vont-ils pas engendrer une monnaie un peu différente Souvenez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. Moi, la plupart des achats que j'ai fait en BTC, je les aurais jamais faits euh, sans BTC. L'usage, ça répond à un besoin. Et, et lisez le white paper. Euh, Satoshi, il pense, il crée euh, Bitcoin comme une réponse à un besoin qui s'inscrit dans la continuité de la philosophie cypherpunk. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, Bitcoin, Platon, Aristote et la monnaie. Euh, Voyez-vous, la, la guerre qui nous est menée, la guerre sémantique, c'est une guerre asymétrique. Ils ont le pouvoir, ils ont la légitimité, ils ont le prestige, ils ont l'argent. Même si nous aussi, on commence à en avoir un peu. Mais, mais pour nous défendre, euh, il nous faut adopter une logique de guérilla. Et, et parmi les principes de la guérilla, il y a celui de ramasser les armes de notre ennemi pour les retourner contre eux. Surtout, surtout, si vous visez plus juste. Bon, sur Christian, on enfonce le clou ou pas Parce que j'avais prévu de parler de la partie de son article qui concerne les stablecoins, mais je crois qu'il en a pris assez dans la gueule là pour aujourd'hui. Alors, allez le lire, c'est très drôle parce que euh, ça montre à quel point ces gens sont euh, matrixés. Alors, j'aime pas ce terme. Mais n'arrivent vraiment pas à concevoir que quelque chose de différent euh, que ce dont ils ont l'habitude puisse un jour exister, s'imposer, être utilisé. Par exemple, à un moment, euh, il fait preuve d'une grande ouverture d'esprit euh, en considérant que dans des circonstances très précises, un stable coins puisse vraiment remplacer une monnaie légale. Ça veut dire qu'il nous explique sans sourciller qu'un jour un stable coins pourrait susciter plus de confiance que Bitcoin. Alors c'est vraiment en mode euh, réserve fractionnaire. Yeah protocole décentralisé. En fait, à la lecture des productions de, de Christian, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui est un des traumatismes de l'administration française. Et c'est pour ça que j'évoquais plutôt une pensée fonctionnariale. Ce traumatisme, c'est celui du rapport Terry de 1994. Donc un rapport d'un administratif qui conclut doctement qu'en somme, Internet n'a aucun avenir. Et c'est délirant de voir que 27 ans après, euh, bah ils ont toujours pas retenu la leçon, quoi. D'ailleurs, cette comparaison entre le rapport Thierry et le rapport Christian, je suis vraiment prêt à la défendre, elle ne vient pas de nulle part. Et pour ça, je vais vous renvoyer un article qui a été écrit par Philippe Zilberzan, article publié sur son blog qui s'appelle « Les trois erreurs de la prédiction à propos du rapport Thierry de 1994 ». Alors, c'est un article qui a été publié en 2013. Et donc, l'auteur va révéler trois biais, trois erreurs qui ont été commises euh, par M. Thierry. Alors ces trois biais, je ne vais pas les détailler parce qu'on n'a plus le temps, mais en gros, il y a premièrement l'extrapolation, c'est-à-dire abusivement estimer de ce que sera la situation future en se basant uniquement sur une situation présente qui est encore assez précaire. Ensuite, ça va être un raisonnement en mode toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire raisonner comme si le monde n'allait pas changer lui-même, le monde autour de l'objet qu'on est en train d'étudier. Et enfin, troisième erreur, être victime d'un biais identitaire, c'est-à-dire répéter bêtement la doxa de sa classe, la doxa de son milieu. Alors allez le lire vous-même, c'est très intéressant, évidemment les liens sont dans la description, mais il me semble que ces critiques se plaquent mais parfaitement euh, au discours actuel que tient euh, Christian, que tient la Banque de France. Et alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire le, le paragraphe conclusif de cet article, qui est délicieux, mais le drame de la technocratie française, sa combinaison unique d'incompétence encyclopédique et d'arrogance, apparaît de façon particulièrement vive dans l'épisode de ce rapport au moment même où nos experts expliquaient doctement qu'Internet était mal adapté à la, de de la fourniture -moi, de services commerciaux. Marc Andresen, Jim Clark créaient alors Netscape. Un certain Jeff Bezos créait la librairie en ligne Amazon, du succès de laquelle nos technocrates, nullement maris de leur bévue initiale, s'affairent désormais à protéger libraires et éditeurs français. C'était en 2013, Amazon n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Et là où l'histoire est cruelle, c'est que ce Gérard Théry, qui était quelqu'un d'extrêmement capable, d'extrêmement doué, polytechnicien, euh, ingénieur des télécoms, euh, inventeur, co-inventeur du Minitel. Formidable. Eh bien, on ne se souvient de lui aujourd'hui que pour s'être planté à propos d'Internet. Et mon cher Christian, tout capable que vous êtes, j'ai bien peur que cet article si mal titré « Monnaie digitale, du mythe aux projets innovants » Eh bien, ce soit votre rapport Thierry à vous. Alors maintenant, que faire Eh bien, euh, Christian, si tu m'écoutes, euh, je t'en prie, tout d'abord, tu vas recontacter tous tes étudiants et tu vas bien leur dire que les monnaies digitales, ça n'existe pas hein, qu'ils doivent remplacer ce terme dans leur cours, le remplacer par monnaie numérique. Et puis à tous les autres, eh bien, euh, n'engagez pas Christian. <laughs> voilà. Comme toujours, je vais vous laisser avec une source pour approfondir le sujet. Et cette source aujourd'hui, ça va être un homme et ça va être un fonctionnaire, comme quoi moi je ne suis pas dans le fonctionnaire bashing, je laisse ça au con. Il s'agit donc d'un haut fonctionnaire qui s'appelle Yorick de Mombine. Et je l'aime beaucoup parce que son nom, on dirait celui d'un boss de Dark Souls. Alors vous pouvez aller voir ses conférences juste en tapant son nom, évidemment je vous mets des liens dans la description. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Christian sortait son machin, là que je vous ai lu... Lui aussi sortait un article, et je vais conclure en le lisant. Cet article, vous pouvez le lire sur le site de La Tribune, et qui a pour titre L'étrange victoire de Bitcoin. Rassurez-vous, je ne vais lire que le paragraphe de conclusion que voici. Malgré des incertitudes et défis techniques encore considérables et une compétition intense dans l'univers des crypto-monnaies, Bitcoin s'affirme comme une réalité tangible et pérenne dans un monde où plus rien ne semble solide. La probabilité augmente pour que le Bitcoin s'impose peu à peu comme une forme de cash digit. Digi... Hey Décentralisé, dépolitisé, dénationalisé, désinflationniste, permettant des transactions instantanées, incensurables, anonymes et programmables, avec des applications financières et industrielles potentiellement infinies et des conséquences politiques insoupçonnables.